Bonsoir à tous, bienvenue à notre conférence online qui va être dédiée au cristal de roche ce soir. Nous sommes en direct du musée de Cluny, nous sommes dans une salle magnifique qui présente en fait la statuaire de Notre-Dame, donc le musée de Cluny qui est le musée national du Moyen-Âge ici à Paris. Avant donc de vous expliquer un petit peu le sujet et le contexte, donc je suis Marie-Laure, je suis enseignante-chercheure à l'École des arts joailliers. L'École des arts joailliers a été fondée en 2012 par Van Cleef et Arpels. L'école n'est pas une école au sens académique, mais c'est un lieu ouvert à tous, un lieu de découverte des arts joailliers, du monde du bijou. Nous proposons donc des activités assez variées autour de ce sujet, des conférences, des cours, des expositions, des publications, des ateliers. Et nos trois principaux thèmes sont les savoir-faire, le monde des pierres et l'histoire de l'art. Je suis vraiment ravie ce soir d'être avec Isabelle Bardiès-Fonty. Bonsoir Marie-Laure. Qui est conservateur du patrimoine, conservateur au musée de Cluny. Vous êtes responsable des collections antiques, alto-médiévales, byzantines et islamiques ici, et vous êtes aussi chargé de cours à l'école du Louvre, et vous occupez notamment donc de la formation des futurs conservateurs depuis 2007, c'est le musée de Cluny. Ah, bravo. Voilà. Et bah donc, je vous laisse nous expliquer un petit peu ce qu'est le musée de Oui, Cluny. Alors le musée qui vous est vraiment redevable et vous remercie pour le soutien apporté à l'exposition Voyage dans le cristal que nous allons vous présenter, et si dans un écrin architectural assez extraordinaire, puisqu'il y a à la fois une partie antique dans laquelle se tient l'exposition, qui sont des termes de Lutèce, et puis un hôtel médiéval qui a été construit à la fin du Moyen-Âge par les abbés de Cluny. Et il y a bientôt 120 ans, un musée a été créé dans cet hôtel médiéval, réunissant le complexe médiéval et antique pour faire un musée, le musée de Cluny, également appelé depuis le XXe siècle musée national du Moyen-Âge, qui à l'origine a un premier noyau d'un collectionneur qui s'appelait Alexandre du Sommerard, c'est son fils qui ouvre le musée et en est le premier conservateur, et qui maintenant a la vocation, comme son nom de musée national l'indique, d'expliquer l'ensemble de l'art médiéval en France et en Europe, mais également une partie antique importante qui est accueillie dans le musée et dans ce frigidarium. Ce frigidarium, c'est le lieu de notre exposition Voyage dans le cristal qui nous réunit ici ce soir. Donc voilà, vous avez été commissaire d'une quinzaine d'expositions. Cette année, vous en avez fait deux tout de même. Oui. La Lotharingie, magnifique exposition qui a eu lieu à Draguignan. Exactement, à l'hôtel départemental des expositions, j'ai eu le grand bonheur de pouvoir faire une exposition sur un sujet quasi inédit pour les expositions temporaires, qui était posé donc dans le sud de la France. Et puis donc à Paris, une exposition sur laquelle je travaille depuis longtemps, pas toute seule, il y a un second commissaire, Stéphane Pennec, à qui je pense ce soir, qui est archéologue, conservateur, restaurateur d'œuvres, également PDG d'une société de soclage qui s'appelle Ainou. Et c'est un programme qui nous occupe depuis des années, et c'est vraiment l'œuvre de deux commissaires avec un équilibre qui s'est trouvé par nos points d'intérêt respectifs, mais aussi nos différences, ce qui explique que l'exposition soit assez riche dans son parcours, je pense aussi. Oui, c'est une approche pluridisciplinaire entre l'art et la science, et depuis la préhistoire en fait jusqu'à nos jours. Absolument. Comme on va pouvoir le découvrir. Alors pendant cette conférence, Céline Galin et Laetitia Gilguéry donc seront les modératrices de la conférence, pourront répondre à vos questions directement en fait dans le question-réponse là ou dans le chat. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et elles réuniront en fait un ensemble de questions à la fin pour Isabelle et pour moi. Alors avant de commencer, donc Isabelle, pourquoi avez-vous choisi ce titre « Voyage dans le cristal » ? On l'a su tout de suite avec Stéphane qu'on voulait ce titre, et tout simplement parce qu'on a partagé cette lecture d'une nouvelle « Voyage dans le cristal », Laura, Voyage dans le cristal, de George Sand, qui nous a nourris notamment pour la mise en espace de l'exposition, parce qu'on a vraiment conçu un voyage, justement, qui est censé vous désorienter un peu quand vous pénétrez dans l'exposition.
C'est une nouvelle fantastique. Et les protagonistes, au Muséum d'Histoire Naturelle, sont absorbés par des quartz, des cristaux de roche, et ils pénètrent dans des univers parallèles par le biais de l'intensité de la lumière du quartz et de leur regard porté sur ce quartz. Donc ce roman, à la fois par l'ouverture de son titre, par la dimension de parcours qu'il introduisait, mais aussi parce qu'il s'agissait de George Sand, qui est celle qui découvre au XIXe siècle, à Boussac dans la Creuse, un extraordinaire ensemble de tapisseries, c'est la tenture de la Dame à la Licorne, qui est une des œuvres les plus célèbres, sinon la plus célèbre, du musée de Cluny. C'était donc aussi un hommage à notre inventrice de la tenture de la Dame à la Licorne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir fait découvrir ce roman, qui est très inspirant. Et je vais en lire quelques extraits en même temps que vous allez pouvoir voir une vidéo qui a été conçue par Valentin Féjose et Florent Moll. Donc je commence. J'avais les yeux fixés sur la série de quartzialins, autrement dit cristaux de roche, où Laura avait paru s'arrêter un instant avec un certain plaisir. Tout à coup, je sentis une main légère se poser sur mon épaule et une voix délicieuse, la voix de Laura, me parla dans l'oreille. « Vite, vite, amie, partons pour les féeriques régions du cristal. J'y cours, suis-moi si tu m'aimes. » « Regarde donc où je t'ai conduit, disait-elle, et reconnais que j'ai ouvert tes yeux à la lumière du ciel. » « Ma chère Laura, lui dis-je, je commence à comprendre. Pourtant, voici là-haut, bien loin d'ici et tout autour de l'horizon qui nous enferme, des pics de glace et des plaines de neige. Oh Laura, mes chères Laura, m'écriai-je, béni sois-tu pour m'avoir amenée ici. Où as-tu appris l'existence et le chemin de ces merveilles ?»« Que t'importe, répondit-elle, contemple et savoure la beauté du monde cristallin. » Donc voilà, c'est dans le monde cristallin qu'Isabelle et moi allons vous emmener maintenant. Et donc, nous allons découvrir ce sujet en trois temps. Donc, tout d'abord, nous allons vous expliquer ce que c'est que cette matière, le cristal, ainsi que les savoir-faire qui ont été inventés pour le mettre en valeur. Puis nous aborderons quelques aspects de l'imaginaire du cristal. On se centrera quand même davantage sur le monde européen, parce que c'est ce qui nous est un peu plus familier, enfin vous, le monde islamique aussi. Et Isabelle vous emmènera dans l'exposition découvrir quelques parures cristallines absolument remarquables, voilà, sur lesquelles nous nous arrêterons en troisième partie. Alors commençons avec la matière. Donc, tout d'abord, donc, le cristal. Qu'est-ce que le cristal, en fait, d'une certaine façon ? Alors aujourd'hui, et vous allez nous en parler dans quelques minutes, on est très au clair sur ce que c'est. Mais dans l'Antiquité, le cristal est appréhendé comme de l'eau gelée, et c'est de là que vient son nom. En effet, c'est à la fin du 1er siècle avant notre ère que Strabon écrit dans sa géographie, et c'est notre plus vieille source connue, ce qui ne veut pas dire qu'il est le premier à l'avoir employé. Il y a le filtre du tri par le temps des originaux en littérature qui nous reste. Dans sa géographie, qu'il achève de composer donc vers 30 avant, il écrit que c'est de l'eau gelée. Donc ce minéral qu'il n'appréhende pas autrement que comme une matière très dure, brillante, transparente, c'est de la superglace en quelque sorte. Et après lui, très vite après lui, pourrait-on dire, au siècle suivant, dans son encyclopédie L'Histoire naturelle, Pline l'Ancien, chercheur insatiable, reprend cette définition de la glace qui est à l'origine du nom du cristal de roche et adjoint un certain nombre d'éléments à la fois historiques et géographiques, nous enseignant pas mal de choses sur déjà les régions de provenance, nous en reparlerons, les modes d'extraction très difficiles, le goût inouï qu'ont les Romains tant pour l'état natif, quand Livie en offre un gros morceau pour un portique dans Rome, c'est un état natif apparemment, mais des états manufacturés. C'est ainsi que Néron, lorsqu'il est très en colère, casse de la vaisselle, des vases en cristal de roche, ou bien qu'une Romaine ruine son mari par son goût de la vaisselle en cristal de roche. Avec toutes ces petites incisions, nous comprenons qu'au-delà de la naïveté de la formation même de cette structure cristalline, les anciens avaient déjà défini cette famille de pierres transparentes. Et ce savoir, il va jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pourrait-on dire, et même l'époque moderne. Barthélemy Langlais, on voit ici une image d'une enluminure du livre des propriétés des choses dont nous avons d'autres exemplaires dans l'exposition,
lui continue, la définition est ici en marge, cristal est une pierre reluisante et claire qui a la couleur d'eau, car il est engendré de neige ou de glace endurcie par moult de temps. C'est donc ainsi que de l'Antiquité jusqu'à finalement Jean-Baptiste Romée de Lille, le premier cristallographe, on est au clair, c'est le cas de le dire, pardon du mauvais jeu de mots, sur le fait qu'on parle d'une pierre transparente et brillante. Et incolore. Et incolore, absolument. Mais pas tout à fait sur ce que c'est exactement et qu'aujourd'hui nous appelons quartzialin. L'origine du mot quartz étant plus tardive et plus proche de nous puisque c'est allemand. Mais vous allez peut-être nous en dire quelques mots maintenant. Oui, alors, et aussi pourquoi parle-t-on de la mer des gemmes ? Donc le quartz, c'est de la, enfin, le cristal, c'est de la superglace, mais certains auteurs le décrivent aussi comme la mer des gemmes, en particulier Jean de Mandeville, dans son lapidaire au XIVe siècle, qui parle en fait du quartz comme la mer de toutes les gemmes, responsable des propriétés de toutes les autres gemmes. Alors ça peut nous paraître évidemment curieux aujourd'hui, où nous séparons de manière très nette le règne animal, le règne minéral, enfin voilà, l'ordre du vivant et l'ordre de l'inerte, mais au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout le cas, et les gemmes sont considérées comme des êtres vivants qui naissent, qui mûrissent, qui grandissent, qui meurent, et il y a des gemmes mâles, il y a des gemmes femelles qui donnent naissance à d'autres gemmes, et généralement, le sexe des gemmes est lié à la couleur, ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas, les gemmes de couleur claire sont plutôt femelles, les gemmes de couleur saturée à foncé, à sombre sont plutôt mâles, et donc le quartz, du fait qu'il soit incolore, est considéré donc comme la mère des gemmes. Et par, on est dans un monde intellectuel qui fonctionne par analogie. Donc comme le quartz est la mère des gemmes, eh bien il est favorable aux mères, et donc les femmes en couche vont consommer de la poudre de quartz mélangée avec du lait et du miel pour favoriser la lactation. Oui, Marbotte de Rennes, dans son lapidaire au tout début du XIe siècle, parle déjà de cette possibilité d'avoir un meilleur lait maternel. Juste vous dire que Pline, finalement, le premier, dans son livre 37, la première pierre qu'il décrit après son préambule, c'est le cristal. Et je pense que ça n'est pas pour rien dans le fait qu'au XIVe siècle, Jean de Mandeville, Barthélemy l'Anglais, le siècle précédent, ne fait pas différemment, véhicule encore cette primauté du cristal sur toutes les autres pierres. Absolument. Alors, l'idée, en fait, du quartz comme formé à partir de l'eau gelée, va être remise en question pour la première fois au début du XVIIe siècle par Anselme Boës de Bott. Enfin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début du chapitre, il dit que ce n'est pas possible, mais le chapitre suivant, en fait, il parle de plein de propriétés qui sont liées, en fait, à cette idée de glace et d'eau gelée. Donc, en fait, les histoires sont persistantes, en fait. Oui, ils ne sont pas encore tout à fait débarrassés des croyances anciennes. Il en est de même pour Kepler, que nous montrons dans l'exposition. Absolument. Donc ici, effectivement, donc vous voyez de magnifiques cristaux de quartz, des géodes, des druses, des cristaux, des monocristaux, sur cette gravure-là du livre d'Anselme Boës de Bott. Et en fait, il faut vraiment attendre le XVIIIe siècle pour qu'on passe du cristal au quartz. Donc, en fait, les premières études de cristallographie vont être développées, notamment par Jean-Baptiste Romée de Lille, à partir de l'observation des cristaux de quartz. Et d'ailleurs, Pline s'extasie devant la beauté naturelle des cristaux. Hein. Il l'écrit dans l'Histoire naturelle. Jean-Baptiste Romée de Lille va donc faire ses premières études cristallographiques sur des cristaux de quartz. Alors, le mot quartz vient de l'allemand. La première fois qu'il est utilisé dans les textes, c'est au XVIe siècle, en particulier par Georges Agricola. Mais en aucun cas, il ne fait il assimile le cristal au quartz. En fait, il va parler du cristal, il va parler de la silice, il va parler du silicium, il va parler du silex, il parle du quartz. Donc, en fait, il distingue tout ça. Il faut vraiment attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand la chimie entre en fait dans la minéralogie, notamment avec Pott, qui est un chimiste allemand, et puis par la suite avec Thorburn Bergman, un minéralogiste suédois, pour que le cristal de roche devienne le quartz. Donc, d'un point de vue minéralogique, aujourd'hui, donc, qu'est-ce que c'est que le quartz ? Eh bien, le quartz, c'est de l'oxyde de silicium.
Dans la classification structurale de Strunz, il est classé comme oxyde. Dans la classification de Dana, il est classé en silicate. En tout cas, c'est du silicium et de l'oxygène. Ce sont les deux éléments chimiques les plus fréquents en fait, dans la croûte terrestre. Et le quartz fait partie du groupe des silices, qui comprend aussi l'opale et le verre naturel. L'opale et le verre naturel ne sont pas des minéraux. Seul le quartz est un minéral. On va revenir là-dessus juste après. Donc on a différentes formes de quartz. Le quartz monocristallin à grands cristaux, plutôt transparent, et le quartz polycristallin, donc constitué de micro, voire microscopiques cristaux de quartz qui vont être agrégés. Et donc c'est vraiment un ensemble de gemmes extrêmement variés. Le cristal de roche, qu'on appelle aussi quartz hyalin, c'est la variété incolore donc, de cette espèce minérale, qui est remarquable notamment par ses propriétés physiques. Donc, on va le trouver transparent à opaque. Il est dur, 7 sur l'échelle de Mohs, donc la dureté, c'est sa résistance à la rayure. Il est tenace, résistance à la cassure. Il est stable, résistance à la lumière, à la chaleur et aux produits chimiques. Et du point de vue optique, c'est intéressant parce que quand on le polie en cabochon, eh bien, on peut obtenir des lentilles grossissantes qui ont été une des premières méthodes avant notre loupe à grossissement 10 fois que nous avons aujourd'hui, qui est une invention assez tardive. C'était une façon en fait, de voir de manière plus grande, d'agrandir en fait, les choses. On va le voir avec Isabelle pour les reliquaires. Concernant donc... cette histoire de cristal, minéral, qui sont des mots de vocabulaire extrêmement importants. Donc, en fait, aujourd'hui, le mot cristal, et depuis le XVIIIe siècle, c'est un mot générique pour désigner en fait, toutes les structures très organisées. Donc, le quartz est un cristal. Mais dans le langage courant, quand on parle de cristal, souvent, on pense plutôt au verre, au plomb. Mais en fait, le verre au plomb n'est pas un cristal au sens physique du terme. Donc vous voyez sur cet exemple, à gauche, nous avons le quartz, qui est de la silice cristallisée. Vous voyez les atomes d'oxygène et de silicium organisés de manière systématique et régulière dans l'espace. Et à droite, nous avons le verre, qui a la même composition chimique, mais pas la même structure. Et donc, ça va avoir un impact, évidemment, sur les propriétés physiques de ces deux matières. Donc, le quartz, c'est un système cristallin, qualifié soit de rhomboédrique, soit d'hexagonal. Le système rhomboédrique étant un sous-ensemble du système hexagonal, le verre est amorphe, il n'a pas de système cristallin. Tous les minéraux sont des cristaux, mais tous les cristaux ne sont pas des minéraux. Alors, dans l'exposition, on ne traite que du quartz, pratiquement, mais on en vient à ce changement de paradigme entre la définition stricte minéralogique et l'usage commun du terme de cristal par le biais d'une commande à un artiste contemporain qui s'appelle Patrick Neuil, qui a réalisé pour nous une œuvre spécifique pour l'exposition et qui, d'habitude, travaille le cristal de plomb, plutôt. Exactement. Il faut dire qu'il est né là où il arrive pour la première fois en France, en 1775, c'est-à-dire qu'il est natif de Maisenthal, juste à côté de Saint-Louis, qui est la première cristallerie de France. À ce moment-là, ce cristal, qui est du verre chargé en oxyde de plomb, existe depuis déjà un petit moment, presque deux siècles pour ce qui est de son invention, qui appartient au premier tiers du XVIIe siècle en Angleterre, mais surtout à la fin du XVIIe siècle, en Bohême, a germé l'idée, étant donné qu'on avait découvert que du verre chargé ainsi de plomb était très translucide et très brillant, et pouvait même avoir, quand on le choque, un bruit, une forme de densité supérieure au verre ressemblant au cristal de roche, eh bien, pourquoi ne pas en faire de la vaisselle de luxe qui serait quand même moins difficile et donc moins onéreuse que ces pièces de vaisselle insignes qui ornaient les tables de princes, et notamment en Europe de l'Est, où ça avait un succès absolument fou sur les tables des grands puissants d'Allemagne, de Bohême. Voilà comment ce cristal de plomb devient l'objet de toutes les convoitises en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle. Patrick Neuil travaille le cristal de plomb puisqu'il est à Saint-Louis. Il en est le directeur artistique d'ailleurs, tout en développant sa pratique artistique absolument personnelle. Et sur des verres comme celui-ci, en cristal bien sûr, au sens des cristalleries, il utilise du noir de fumée pour, c'est très fragile, pour noircir l'intérieur et ensuite il vient au pinceau copier une œuvre qu'il vénère. Alors, il a une série d'œuvres qu'il a produites ainsi avec beaucoup de tableaux. Et ici, vous voyez la bataille de San Romano.
il aime se lancer des défis. Nous avons aussi dans l'exposition de Paolo Uccello. Nous avons aussi dans l'exposition sa version du Jardin des délices, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher les motifs les plus simples, non, vous me l'accorderez. Absolument. Ce sont des œuvres absolument fascinantes, oniriques. Et si Patrick Neuil a été choisi par Stéphane Pennec et moi-même comme artiste invité, c'est parce qu'il aime le cristal de plomb pour les mêmes raisons qui sont celles qui habitent tous les hommes qui ont travaillé le cristal de roche, cette idée d'absolue recherche de la lumière et de défi de la transparence. Cependant, posé comme nous posions notre sujet, avec beaucoup de générosité, il s'est attelé pour la première fois de sa vie d'artiste, mais sans doute pas pour la dernière tant l'exercice lui a plu. Mmh. Il est allé acheter un quartz à Sainte-Marie-aux-Mines et il a gravé, se faisant à ce moment-là vraiment crypticien à son tour et cristallier. Mmh. Il a gravé trois squelettes qui dansent. C'est une danse macabre, hommage, il est féru de Moyen-Âge, c'est aussi pour ça que nous avions pensé à lui, hommage donc à une fresque romane en Auvergne, à la Chaise-Dieu, qui est une de ses œuvres préférées. L'œuvre, qui est petite de taille, est absolument extraordinaire et a été terminée quelques jours avant l'ouverture de l'exposition. Une merveille, un chef-d'œuvre. Alors, je disais effectivement que les minéraux sont des cristaux, mais que tous les cristaux ne sont pas des minéraux, parce que un minéral, c'est par essence naturel. Et en fait, on fabrique énormément de quartz de synthèse, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons liées à un usage industriel, et en particulier pour la propriété de piézoélectricité, qui est une propriété qui a été découverte par les frères Curie à la fin du XIXe siècle. Et donc, c'est cette propriété de certains cristaux de quartz de vibrer de manière régulière quand ils sont soumis à un courant électrique. Donc, très utilisé en électronique, on reviendra sur cette question à la fin de la présentation. La méthode utilisée pour fabriquer ces quartz synthétiques, c'est la méthode hydrothermale. Voyons maintenant où l'on trouve du quartz, du cristal de roche sur la planète. Un peu partout, Marie-Laure. Vous avez ici proposé un certain nombre de sites très importants qui sont représentés dans l'exposition et qui sont connus pour avoir des gisements particulièrement propices à l'extraction de cristaux, parfois géants. Hein. Songez, vous avez signalé les Alpes, que n'est pas très vieille la découverte du géant de Berne, mm-hmm. qui occupe tout le hall du musée de Berne et qui est absolument extraordinaire. Pline parle déjà de ces mines très riches des Alpes. Et puis votre carte vous indique bien que tous les continents sont concernés. J'insisterai peut-être quelques instants pour ne pas prendre trop de temps sur Madagascar, puisque cette tradition de l'extraction à Madagascar n'est pas attestée dans l'Antiquité, mais attestée quand même au tout début du Moyen-Âge, notamment par le moyen de fouilles à Mayotte, qui ont permis, en fouillant des cargaisons, de dater très précisément, ce qui nous permet de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que beaucoup de cristaux de roche sont travaillés à Alexandrie. Et là, d'autres archéologues, au nord de l'Afrique cette fois-ci, de l'Institut français du Proche-Orient, ont fouillé récemment, dans les fouilles du théâtre d'Alexandrie, des ateliers de tailleurs de grenat, mais aussi de quartz, montrant bien la tradition africaine et proprement fantastique à Alexandrie, où il y a eu un art de la glyptique dès que pratiquement qu'Alexandre fonde la ville, qui nous permettent de mieux comprendre le voyage des minéraux vers les artisans. Voilà, donc les routes commerciales du cristal, donc entre toute l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient, et puis l'Europe. Et l'Asie, absolument. Vous avez montré sur votre carte l'Inde, il faudrait tout près, évidemment, ils sont frontaliers, ajouter presque le Pakistan, parce que nous avons un cristal bouquet dans l'exposition, assez extraordinaire, qui vient d'un des gisements les plus riches actuellement, qui est au Pakistan. En fait, la zone d'extraction la plus importante, d'après ce qui est indiqué dans certains lapidaires, et notamment aussi par Al-Biruni, qui était un savant perse très important, c'est le Cachemire, en fait. Mm-hmm. Et donc, on trouve beaucoup de quartz dans les montagnes. Aujourd'hui, les principaux pays producteurs, c'est Madagascar et le Brésil. Mm-hmm. Absolument. Donc, le quartz, c'est un matériau propice, en tout cas, à la glyptique, ce que dit Théophraste, déjà, au IVe siècle avant notre ère. Oui, et glyptos, ça veut dire graver, en fait. C'est l'art de la gravure. Le minéral, une fois entre les mains du sculpteur, on doit lui retirer de la matière à partir d'outils, par définition, aussi durs ou plus durs que lui. Mm-hmm. Donc, ça fait être privilégié des matériaux comme le grès, par exemple, les pierres très dures,
On peut ainsi le polir. On peut utiliser le diamant, on peut utiliser des pierres aussi dures que lui. Le corindon aussi. Pour l'inciser. Et donc, vous avez ici, à gauche de l'image, la gravure par une extraction de matière à l'arrière et un polissage qui permet d'avoir de l'opacité et que le dessin se révèle. C'est une pièce absolument extraordinaire de Giovanni Bernardi qui copie un dessin que nous connaissons encore de Michel-Ange, une chute de phaéton. Et étant donné la technique en regardant le dessin, nous en avons une image à l'envers par rapport au dessin lorsque nous regardons la gravure. Et gravée aussi, cette pièce monolithique importante, c'est un sceau, donc environ une petite vingtaine de centimètres de haut, qui appartenait à Louis XIV, qui a peut-être été faite pour Charles V, puisqu'on sait qu'il en avait, sans doute à Paris. Pièce antique qu'il envoie à Milan être sans doute un peu restaurée vers 1685, parce qu'il a été un peu abîmé, un peu cassé. Et Giambattista Metellino, artiste très prisé de Milan, répond à la commande royale de Louis XIV et adjoint à ce sceau médiéval une ornementation de la fin de la Renaissance, de la période moderne. Si l'on sculpte jusqu'au bout et qu'on retire de la matière, on peut donc avoir des vases monolithes comme celui que vous voyez là, encore une fois très impressionnant, il faut un bloc comme ceci à peu près. Il est dans l'exposition d'ailleurs. Il est dans l'exposition. Ce sceau, et incroyable. Puis plus petite, mais venant quand même d'un beau morceau de quartz, cette Aphrodite accroupie qui est miniature, voyez les dimensions, 8,5 cm, et qui est une variation en quartz d'un blockbuster de l'Antiquité, la célèbre Aphrodite à la toilette, qui était réputée pour sa dimension assez érotique, vu la représentation, sa nudité, avec un petit Eros derrière qui lui touche l'épaule pour les statuaires à l'échelle 1. Et là, cette version miniature, elle se tient dans le creux de la main, ce qui fait que là, elle prend la couleur de la chair. Ça en fait donc une œuvre à la fois froide quand on la touche, mais assez érotique et chaude quand on envisage toutes les perspectives qu'elle ouvre. Elle est fascinante, cette Vénus. Oui. Concernant donc les ateliers de taille, dans certaines régions, il y a des ateliers dont l'existence est attestée, et très intéressant, l'atelier de Cologne qui a été découvert récemment. C'est-à-dire que récemment, nous avons eu la preuve de ce qu'on pensait depuis très longtemps. Mm-hmm. C'est la fréquence de cristaux de roche dans les églises de Cologne notamment, de ces cabochons qui servent parfois de loupe, vous en avez parlé tout à l'heure, Marie-Laure, faisait supputer aux historiens de l'art qu'il y en avait trop pour que ça ne soit pas une fabrication de grande proximité, avec un minéral qui est sans doute vient des Alpes ou du nord des Alpes. On en trouve en Allemagne, notamment dans les Alpes allemandes. Bingo, et en Saxe également. Bingo, puisqu'en 2006, à l'occasion de la construction d'un parking souterrain près de la cathédrale de Cologne, l'archéologie préventive, comme on l'appelle, a permis la découverte fortuite d'un atelier attestant la présence au XIIe siècle d'un tailleur, au moins un, de cristal de roche à l'ombre de la cathédrale. Et donc là, ça permet de comprendre pourquoi les églises de Cologne sont si riches dans ces cabochons, mais aussi les églises de toute l'Europe qui importaient visiblement les cabochons de Cologne jusque en Espagne, en Italie, dans la France romane. Et donc cette croix reliquaire de Saint-Bernard, peut-être que ce sont des cabochons qui viennent de Cologne, on n'en a pas sans doute, la preuve. On le pense vraiment, d'autant qu'Hildesheim, d'où elle vient, n'est pas loin du tout de Cologne. Le doute ne semble pas trop permis, même si on n'a pas la preuve. Et c'est une croix extraordinaire, c'est un double reliquaire, c'est une croix à la relique de la croix du Christ et qui contient sous le cabochon supérieur le crucifix du célèbre évêque Bernward, qui a commandé par exemple les portes de bronze pour la cathédrale d'Hildesheim autour de l'an 1000. Mm-hmm. Lorsqu'on regarde cette croix, et on a plusieurs autres exemples dans l'exposition, on voit bien que ça fait loupe et ça grossit la relique, ce qui renforce encore son pouvoir de vertu, puisqu'elle inonde le fidèle de la vertu supposée du saint. Autre atelier très prestigieux, l'atelier de Paris, donc Étienne Boileau, qui était nommé prévôt donc, de Paris par le roi Louis IX, va encadrer en fait, les corporations, les métiers, et va écrire le livre des métiers en 1268. Et donc, dans ce livre, il parle des différents métiers, des corps de métiers à Paris, et les cristalliers et les pierriers, qui étaient autorisés en fait, à travailler le cristal de roche. Et donc à gauche, nous avons cette magnifique donc aiguère. En fait, seule la partie en cristal date du XIVe siècle. La monture est postérieure. Et c'est remarquable du point de vue du travail. Hein. C'est monolithe. C'est la technique à petits pans du sceau que nous voyons tout à l'heure, oui, qui est très caractéristique de la fabrication parisienne.
Et à nouveau, effectivement, un bloc monolithe, vous alliez le dire, pardon, je vous ai interrompu, non, je vous en prie. Qui nous laisse envisager l'anse et solidaire hein, de la panse du vase, qui nous laisse envisager la virtuosité du sculpteur. C'est très impressionnant. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les cristalliers imitent tout ce qui est vaisselle de métal. Plus précieuse encore, d'or et d'argent. Exactement. Mm-hmm. À la Renaissance, ça change par contre. À la Renaissance, ça change. On se permet aussi beaucoup d'extravagance. Oui. Les tables sont de plus en plus somptueuses. Alors avec les frères Saraki, à la fin du XVIe siècle, on connaît, ils ont été très aimés de toutes les cours européennes. Ici, ce dragon a orné les tables de Louis XIV. Et il est fait en trois parties. Hein. Vous voyez que le cerclage de métal permet d'articuler. Parties, ouais. On connaît un oiseau avec ses ailes. C'était des objets qui étaient des objets spectaculaires sur les tables, voire même qui étaient animés, puisque Philippe Malguir, grâce à qui nous avons eu un prêt et une étude très brillante dans le catalogue, absolument, m'indiquait qu'en lui mettant une bandelette d'encens dans la gueule, il peut quitter un peu son office de carafe et devenir objet comme un automate sur une table. Un dragon cracheur de feu. Et à droite, c'est un tout petit flacon. La délicatesse de la sculpture des médaillons est exquise, ainsi que la monture en émail, qui est virtuose, qu'on doit à un des plus grands faiseurs de Milan, qui s'appelait Valerio Belli, qui était contemporain de Raphaël. Et ce dernier l'a portraituré dans un très joli petit tableau qui a été vu récemment dans l'exposition Raphaël à Londres. Donc Milan, c'est vraiment le grand centre de travail. À la Renaissance, oui. Toujours un peu Venise, fin du Moyen-Âge et Renaissance, mais c'est vrai que Milan emporte la plupart des commandes, avec certains de ses membres qui partent, tel Miseroni, travailler à Prague. Pour Rodolphe, absolument. Extraordinaire travail. Partons maintenant découvrir quelques pans donc, de l'imaginaire du cristal. Donc, comme on vous l'a dit, effectivement, l'étymologie, donc, c'est cristallos, donc de l'eau gelée, de la glace. Et donc, par analogie, eh bien, on s'en sert pour façonner des gobelets, des vases, des aiguières, avec l'idée sous-jacente de rafraîchir les boissons. Absolument. C'est ce qui anime Pline. On sait que c'est aussi les fameuses aiguières fatimides sont des aiguières pour de l'eau. Et la transparence de l'eau dans ce matériau lui-même transparent est assez sublime. Ceci dit, on peut imaginer du vin dans le skifos. C'est assez joli aussi d'avoir c'est du vin très, dans très le cristal. C'est très beau, ouais, absolument. Et Philippe Malguir en parle aussi dans l'un des textes du catalogue. Donc la relation avec l'eau, donc le cristal, donc c'est de l'eau gelée, et donc par analogie, eh bien, on peut invoquer la pluie grâce au cristal, surtout qu'on croit, en tout cas au Moyen Âge, dans les pouvoirs magiques de la glyptique, qui est censée en fait accroître encore les pouvoirs de la gemme. Et donc ici, nous avons un exemple d'un taille à la pluie. Il y en a quelques-unes dans l'exposition qui sont très belles. Christus Cristallus. Alors, dans le Moyen-Âge occidental, le cristal de roche est doté de spiritualité dans toutes les civilisations du monde. C'est un matériau universel et nous le traitons comme tel dans l'exposition. Mais le corpus d'objets du Moyen-Âge occidental nous fait rejoindre la spiritualité du monde chrétien. Ici, vous avez une petite présentation non exhaustive. Tout d'abord, une évocation de l'art byzantin avec cette très belle pièce, icône du Christ, qui est conservée à Athènes au musée Benaki, qui n'est pas dans l'exposition, mais qui montre que dans le monde byzantin et dans la poésie byzantine, l'assonance entre le Christ et le cristal est vraiment faite, et pas seulement pour des raisons de prononciation, parce que le Christ est un symbole de pouvoir spirituel et que le cristal est étroitement associé au pouvoir. C'est toujours une image christique qui est suggérée par la monstrance du centre, puisque autour d'une ove en cristal de roche qui contenait une relique, l'orfèvre a composé un saint sépulcre reconnaissable. C'est donc une évocation directe de l'endroit du martyr du Christ. Et à droite, le symbole de la crucifixion avec cette croix discoïdale extraordinaire de la cathédrale d'Hildesheim où les grands cabochons de quartz, sans doute colonnés, jouent non pas tant d'effet loupe que d'effet de diffraction, puisqu'il faut imaginer une bougie à l'arrière qui permettait à ce disque en or de transparaître à travers tout l'édifice de la cathédrale d'Hildesheim.
ça doit être absolument magnifique. En fait, ce qui est intéressant de souligner aussi sur cette croix, c'est que, en fait, les cabochons sont montés à jour, alors que toutes les autres gemmes sont montées à fond. C'est vraiment l'idée que la lumière traverse absolument. Le cristal. Et cette symbolique autour du Christ est relayée dans la peinture par l'orbe du Christ, qui est souvent en cristal de roche, le plus souvent en cristal de roche. On en connaît beaucoup de versions. Une très célèbre a été achetée récemment sur le marché de l'art très cher et est attribuée à Léonard de Vinci. Oui. Celle de Jos van Cleve, qui est chez nous pour le temps de l'exposition, est conservée au musée du Louvre habituellement et nous a séduite avec Stéphane par la dimension de pierre paysage, puisque l'orbe reflète un paysage comme si l'artiste avait compris la question des inclusions dans du cristal de roche. Il y a également quelques boules dont vous nous dites quelques mots, peut-être, tant que je puisse, oui, absolument. Je puisse descendre dans l'exposition. Voilà, donc je vais continuer à parler pendant que Isabelle va aller voir les bijoux dont nous allons parler après. Voilà, donc en fait, les boules en cristal de roche ont eu des fonctions et des symboliques assez différentes historiquement. On les a utilisées aussi comme outil thérapeutique. Pline dit que c'est le meilleur cautère à utiliser. Anselme Boës de Bot, que ça permet de soigner les fièvres, etc. Mais c'est aussi lié, comme Isabelle le disait, à la symbolique du pouvoir. Et donc, à gauche, cette boule en cristal de roche a été retrouvée dans la tombe du roi Childéric, le père de Clovis, le premier roi mérovingien. Alors, le cristal de roche, c'est aussi associé à la clairvoyance, c'est la gemme de la vue, et donc de la vue à la vision, il n'y a qu'un pas. Et donc, on va commencer à voir une utilisation divinatoire des boules en cristal de roche à partir du XVIe siècle, de la fin du XVIe. Et la première qui est connue historiquement, c'est celle de John Dee, qui était un médecin astrologue anglais qui faisait partie donc, des conseillers de la reine Elisabeth Ière, qui a utilisé cette boule, il faisait de la divination en fait, avec cette boule de cristal. Et donc il prétendait que c'était l'ange Uriel qui lui avait donné cette boule et qu'il voyait donc des esprits à l'intérieur de cette boule. On trouve des boules de cristal de roche qui ont a priori cette utilisation dans différentes collections princières. Donc ici, un exemple de la collection des princes de Saxe, des princes électeurs de Saxe. Il y en a une au Muséum national d'histoire naturelle qui est censée être à Mazarin. Et puis, le cristal et la boule de cristal vont inspirer énormément André Breton, qui considère en fait le cristal de roche comme en fait le modèle de la perfection artistique, de la création poétique. Et donc, toute la dimension divinatoire va beaucoup l'inspirer dans sa théorie artistique. Retrouvons maintenant Isabelle dans l'exposition. Donc, je lui laisse la parole. Me voici dans l'espace d'exposition à présent. Vous reconnaissez peut-être la croix de Benvard dont je vous parlais tout à l'heure. Et nous allons parler de parures cristallines dans cette troisième partie de la conférence. Nous allons commencer par les perles qui constituent des colliers et des bracelets. À mes côtés, avec cette installation tout à fait contemporaine pour l'exposition, vous découvrez des perles qui, elles, en revanche, sont les plus anciennes que nous connaissions en cristal de roche. Elles ont été découvertes entre le Tigre et l'Euphrate, c'est-à-dire en Mésopotamie, sur le site de Tello, qui est en Irak aujourd'hui, et elles datent de la moitié du 4e millénaire avant notre ère. Il y a deux ensembles qui ont été trouvés dans une situation funéraire. L'autre est toujours exposée dans les salles du musée du Louvre, et celles-ci sont conservées également au musée du Louvre. Vous dire que, déjà, le fait que ça soit les plus anciennes, c'est exceptionnel, mais également la beauté de la sculpture de chacune de ces perles est singulière, peut-être évocatrice de la forme de conques, de coquillages, et on sait qu'en Mésopotamie, on travaillait beaucoup de matériaux précieux et qu'on aimait beaucoup les coquillages pour servir dans les parures. Voici la première des perles que je souhaitais vous montrer. Peut-être pouvons-nous aller vers un second bracelet ou collier avec cette délicieuse petite recomposition par les archéologues, mais assez logique finalement, par cette alternance de cristal de roche, de cornaline et de chalcédoine. En effet, dans les parures, soit on utilise, comme sur le collier de Tello que je viens de vous montrer, totalement du quartz, soit on alterne pour avoir des jeux de couleurs. Et c'est le cas pour ce petit collier ou ce bracelet, ces perles en tout cas, qui ont été mises au jour à Tel Dafana en Égypte. Autre perle, plus récente, quoique bien ancienne également, celle de Chaouillé, la très grosse perle polyédrique que vous voyez ici,
avec son trou au milieu pour laisser passer un cordon de cuir ou métallique ou en végétal solide. Et ce qui est très intéressant, on l'aperçoit aussi, je ne sais pas si à l'image on le voit, mais on l'aperçoit également sur une perle en quartz fumé romaine découverte en Ukraine à Kertch. Le sculpteur retrouve le principe des facettes, il a vraiment observé le minéral, parce que sachez que quand on attaque un quartz, ce n'est pas comme avec le silex, ça ne reprend pas les formes des structures atomiques dont parlait Marie-Laure tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment, avec cette série, on en connaît plusieurs exemplaires de bagues polyédriques, de perles polyédriques, une vraie complicité avec le matériau qui est travaillé. On fait aussi des bagues en cristal de roche. Et ces bagues ici qui sont devant moi, il en est une particulièrement spectaculaire. C'est celle qui a une tête en édicule. Elle est romaine. Elle a dû être sculptée au IIe siècle de notre ère. Ça, on le sait grâce à la coiffure de la dame. Et elle a été découverte sur le site de Glanum, qui est un site très important de l'Antiquité, ville antique très importante. Aujourd'hui, elle est conservée dans la maison du marquis de Sade à Saint-Rémy-de-Provence. Cette bague nous introduit dans l'univers cristallin de l'Antiquité dont on a parlé tout à l'heure avec l'Aphrodite. Et elle est tellement luxueuse qu'elle n'est pas faite pour être portée très souvent. J'en veux pour preuve qu'elle ne fonctionne pas si le chaton est à la verticale. Il est forcément perpendiculaire à la main, c'est-à-dire que c'est une bague de petits doigts. Et celle qui est à ses côtés, vous voyez d'ailleurs que ce n'est pas très grand le trou. Malheureusement, à sa découverte à Orange, dans la ville du sud de la France, le soc de charrue a coupé la tête, mais c'était bien le même modèle, avec un très beau jonc tressé qui était présenté. Autre parure qui joue beaucoup du cristal de roche, les broches. Nous avons ici deux exemplaires qui sont exceptionnels, dans la mesure où ces grosses broches, qu'on appelle des fermaux ou un fermail, ont souvent été refondues lorsque les modes ont changé de bijoux. Et puis cette mode des énormes broches est un peu passée à un moment donné. C'est vous dire que la broche profane du XVe siècle que vous avez sous les yeux en haut, qui par son aigle aux ailes déployées est assimilée à une fabrication liée à la ville de Prague dont nous parlions tout à l'heure, sans certitude, est un extraordinaire fermail dont vous trouvez les correspondances dans la peinture, par exemple contemporaine. Et vous avez un ensemble de quartz tout autour, posé simplement sur un petit tissu rose, ce qui fait qu'on pense que la pierre est rose, mais c'est bien du quartz. Et je termine avec celui-ci, qui est très spectaculaire, qui date de la fin de la Renaissance, qui a une très belle histoire. Il a été trouvé sur une île écossaise, et l'on sait par une inscription à l'arrière qu'elle appartenait au clan MacLean, était spécifiquement porté par un tinker, c'est-à-dire un forgeron itinérant, avec une dimension probablement ostentatoire du prestige de son savoir-faire, puisque c'est une œuvre qui est beaucoup en métal, perle, et ce gros globe central en cristal de roche s'ouvre. Dessous, vous avez une petite logette. Peut-être était-ce aussi une sorte de reliquaire ou un endroit où on pouvait mettre un talisman ou quelque chose qu'on avait très près de soi, quelque chose de très intime en un mot. Voulez-vous que nous allions voir une autre bague? Nous pouvons y aller? J'ai oublié de vous parler d'une bague, peut-être. Parce que la vitrine n'est pas la même. J'essaie de rester détendue. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que je vous ai dit qu'il y avait une symbolique liée au pouvoir dans le cristal de roche tout à l'heure. Et cette vitrine est tout entière consacrée à cristal et pouvoir. Et sont présentées ici, de façon bien ostentatoire au premier rang, des bagues qui ont été portées par des papes. Paul II pour celle qui est à droite et un des papes della Rovere pour celle qui est conservée au musée du Louvre. Ainsi, portée sur des gants, on est tout à fait à l'opposé de la bague romaine dont je parlais tout à l'heure, portée sur des gants, elle montrait le pouvoir du Christ sur la main d'un pape. Alors, le cristal de roche est aussi omniprésent dans des objets d'horlogerie. Donc, voilà, donc quelques exemples. Alors, à gauche, il s'agit donc d'une montre du XVIIe siècle réalisée par un horloger
appelé Jacques Joly. Dans l'horlogerie, en fait, on utilise le cristal de roche pour deux raisons. Pour ses propriétés physiques remarquables, donc dureté, ténacité, et aussi pour ses propriétés optiques, donc de pouvoir grossissant. Donc si on place en fait une lentille en cristal de roche sur le cadran de la montre, eh bien, on va voir mieux en fait ce cadran. Mais comme vous pouvez le voir aussi, on s'en servait pour encaisser en fait les mécanismes. Donc c'est le cas en fait de ce crâne sculpté donc dans du quartz. Donc il y a aussi toute une dimension symbolique et puis la notion de memento mori liée à la mesure du temps. Bon, ça fait tout à fait sens. Plus récemment, donc au XXe siècle, on va inventer, grâce en fait à la découverte par les frères Curie dans les années 1880 de la propriété de piézoélectricité du quartz, eh bien grâce à cette découverte, on va mettre au point des mécanismes qui vont complètement révolutionner l'horlogerie et notamment les montres à partir de la fin des années 1960. Donc ici, la première montre avec mécanisme à quartz, donc on met une pile et puis le quartz va vibrer et c'est ce qui va faire fonctionner donc, la montre. Voilà, ça, c'est une montre historique qui est conservée donc, à Tokyo. Pour terminer, nous souhaitions vous montrer quelques chefs-d'œuvre modernes de l'horlogerie et de la joaillerie qui ne sont pas présentés dans l'exposition, mais qui sont cependant quand même remarquables. Un bracelet de Suzanne Belperron et une pendule de table donc, de Van Cleef & Arpels qui incarnent vraiment la modernité dans la création joaillère et horlogère dans les années 1930, donc on est à la fin de l'époque art déco. Les formes se font plus monumentales, plus sculpturales, plus architecturales. On utilise le cristal de roche dans la joaillerie depuis le début du XXe siècle énormément, notamment je pense évidemment à Maison Cartier. Belperron, elle a un tel amour pour cette matière. En fait, le cristal de roche et la calcédoine, ce sont ses deux matières de prédilection. Elle travaille en étroite collaboration avec un lapidaire qui s'appelle Adrien Loire. Et donc, il va sculpter pour elle ce bracelet sur lequel sont appliqués en fait, des motifs en métal. Parfois, ces motifs sont sertis aussi de gemmes. Donc voilà, donc vraiment quelque chose, l'essence même en fait de la modernité. Et puis cette pendule de table qui est en acier et quartz, un quartz d'une qualité remarquable, presque optique, on voit à peine les inclusions. Donc très inspiré donc par l'architecture de cette époque-là, avec l'idée d'un objet de design hein, dans lequel la forme s'accorde à la fonction. Donc le cristal de roche, matière aussi du modernisme. Alors, nous sommes à la fin de notre présentation. Alors, l'exposition donc, elle est ouverte depuis la fin du mois de septembre Et elle va fermer le 14 janvier au soir, Marie-Laure. On espère pouvoir accueillir encore de nombreux visiteurs. Nous avons la chance de rencontrer un public nombreux et satisfait, je dois dire, en espérant que ça continuera ainsi. C'est un voyage dans le cristal qui se prête bien aux périodes de fête parce que tout est brillant. Et nous espérons que la fin d'année permettra à des gens aussi qui voyagent vers Paris à cette période de découvrir à leur tour le voyage dans le cristal. En tout cas, c'est une magnifique exposition. Moi, j'ai été complètement émerveillée par la beauté en fait, des objets présentés qui sont des objets qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Oui. Nous avons bénéficié de beaucoup de marraines sur notre berceau. J'ai cité l'école de joaillerie qui a aidé le projet, ce qui nous a permis d'obtenir des prêts qui venaient de plus loin, et une grande générosité de certains prêteurs qui se sont dessaisis d'œuvres qui d'habitude ne sortent pas de soit leur trésor d'église, soit leur musée. Donc oui, c'est aussi la récompense pour Stéphane Pennec et moi-même d'un travail de longue haleine. Ça faisait des années qu'on en parlait à pas mal de collègues, et donc à force, quand on est revenu vers eux pour les prêts, ils nous ont dit « Ah, vous la faites enfin, votre exposition !» Ils nous ont prêté des œuvres considérables. C'est la récompense d'un long travail, je pense, ça aussi. En tout cas, on a beaucoup de chance de pouvoir voir cette merveilleuse exposition. Alors, la prochaine conférence online aura lieu donc en décembre et elle sera consacrée à une autre gemme, l'émeraude, en lien en fait avec l'ouverture d'une exposition Garden of Emeralds que l'École des Arts Joailliers donc inaugure à Dubaï là très bientôt en lien en fait avec l'ouverture de notre prochain campus au Moyen-Orient. Donc voilà, donc Jardin d'Émeraude. Et je serai en compagnie de Laetitia Gilguéry,
qui a assuré la modération ce soir donc avec Céline. Et elles nous ont envoyé quelques questions dont vous leur avez fait part. Donc, alors, on va regarder ça. Les questions. Très intéressant. De la part donc de Gérard Panzer de l'Université de Lyon, qui est gémologue, minéralogiste, physicien. Au cours de restaurations modernes d'objets du Moyen-Âge, des cabochons de cristal de roche ont été ajoutés tardivement. Pouvez-vous nous dire comment peut-on faire la différence entre les pierres d'origine et celles de remplacement ? Alors, si les cabochons sont très... Bonsoir, Monsieur Panxer. Si les cabochons sont manufacturés très récemment, par la tracéologie des outils, on peut déterminer qu'ils ont été faits mécaniquement. C'est l'affaire des crânes du British Museum et du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Nous le montrons dans une section thématique Pop Crystal, à côté de l'affiche d'Indiana Jones des aventuriers, pas les aventuriers de l'Arche perdue, mais la quatrième numéro des aventures d'Indiana Jones. Les crânes de cristal. Des fameux crânes de cristal qui ont été crus longtemps des crânes aztèques et qui, en fait, par l'étude des traces d'outils, se sont révélés être des œuvres du 19e siècle. Sinon, et je ne vous l'apprendrai pas, effectivement, mais ça permet de le rappeler à tous nos auditeurs, nous n'avons pas de possibilité de dater le quartz. Nous n'avons même pas la possibilité d'en caractériser l'origine, au contraire des grenats qui peuvent être caractérisés par leurs inclusions et les réponses à l'excitation élémentaire. On peut déterminer, parce qu'on a une lithothèque suffisamment réduite pour avoir des éléments de comparaison probants. Le quartz, il y en a trop. Donc, à moins que je ne me trompe, je ne crois pas qu'il soit possible, si ce n'est dans le cas d'œuvres produites mécaniquement différemment, de déterminer entre un cabochon plus ancien, médiéval, et du début de la période moderne. C'est beaucoup par les montures qu'on voit que les reliquaires ou les bijoux ont été retravaillés, ou bien les reliures. Vous avez souvent des cabochons en quartz sur les reliures très précieuses. Et je pense à des reliures, par exemple, carolingiennes. Mm-hmm. On découvre, par exemple, la pierre n'est pas exactement à la taille du chaton. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, pardon, de l'expression un peu familière, bidouillé au cours du temps, parce que c'est un remplacement, qu'on en a pris une plus belle pour en mettre une autre, etc. Et puis les montures sont parfois clairement datables comme modernes, alors que la pièce est médiévale. C'est plutôt par ces indices-là, autour de l'étude du geste de l'artisan, qu'on arrive à déterminer qu'il y a remploi. Quel est votre objet préféré dans l'exposition ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette question ? C'est tellement difficile. C'est répondre avec plaisir, je la trouve délicieuse la question. Merci pour celle qui l'a posée, j'aurais dû me poser cette question avant ce soir. Oh, que vous dire, ça peut changer tous les jours. Mais je crois quand même que si nous n'avions pas eu le prêt du centre de croix reliquaire avec à l'intérieur un parchemin qui est conservé au Musée national de Copenhague, qui a été dans la collection du roi du Danemark, j'aurais été particulièrement malheureuse. Le cristal fait loupe sur ces enluminures extraordinaires. Ça a été fabriqué à Cologne, c'est un objet énorme, qui est sublime. Il est un peu au sombre dans l'exposition à cause du parchemin, mais c'est une pièce vraiment majeure. Mais puis, nous avons toujours su, Stéphane et moi, que nous voulions le cube de Giacometti dans la partie du XXe siècle, qui est une sorte de mystérieuse forme polyédrique qui a nourri notre projet depuis le début. Donc, vous voyez, je n'arrive pas à n'en citer qu'une. Mais une est en quartz et l'autre non. Je me suis permis cette incise à cause de ça. Pourriez-vous expliquer pourquoi a-t-on associé le cristal à la dimension divinatoire de clairvoyance au-delà de son aspect translucide ? Ça, c'est assez difficile. On le sait par les textes. On a parlé dans le cours de notre conversation, Marie-Laure et moi, des croyances en un pouvoir de guérison prophylactique, un pouvoir de magie pour faire venir la pluie. On sait qu'il y a un pouvoir aussi, sans doute, de symbole de résurrection, alors au travers de la symbolique du Christ, mais pas seulement, dans d'autres civilisations. Par exemple, partir dans la tombe avec des cigales en cristal de roche, c'est se garantir la résurrection, parce que c'est en Chine notamment, et en Chine, elles sont aussi en jade, mais le cristal de roche s'appelle le jade d'eau en Chine. Oui. Donc, toutes ces dimensions-là sont repérées par les archéologues, par les sources. On sait qu'on lui attribue des pouvoirs prophylactiques. Et puis, il y a la question de la divination. Et là, je dois bien vous avouer que Stéphane Pennec et moi-même, on s'est plongé dans cette question en travaillant pour l'exposition. Ce n'était pas le premier objet de notre motivation de faire l'exposition. Et ce n'est pas si simple que ça. À un moment donné, la boule de cristal est là.
À la fin du XVIIe siècle, elle est là. Elle est là sur les tableaux, sur certaines natures mortes, et elle est là dans les collections princières. Donc dans les collections, par exemple, de Saxe, la voûte verte à Dresde possède plusieurs boules de cristal. Nous en montrons une qui appartient à un banquier américain très connu, John Pierpont Morgan, qui était une boule divinatoire. Fin du XVIIe, un certain John Day, mathématicien, conseiller d'Élisabeth Ier, lui donne sa politique en regardant une boule de cristal. Il est espion, magicien, il écrit ses lettres en langage codé, et il signe 007 ses lettres. Ah ben oui, donc voilà comment sans doute Ian Fleming. Est si connu. Et sa boule de cristal est toujours conservée au British Museum, oui. À John Day. Donc là, à ce moment-là, on pratique la divination par la boule de cristal. Et puis au XVIIIe siècle, ça a beaucoup de succès. Donc c'est vraiment une période charnière. L'origine précise, on ne la connaît pas. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec quels outils étaient creusés les blocs de cristal pour en faire des contenants? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a tout un tas de mentions, déjà dès le moine Théophile, de possibilités d'attaque avec des métaux durs, des marteaux. C'est incroyablement difficile. Il faut utiliser. Qu'on a retrouvé dans l'atelier de Cologne. C'est incroyablement difficile à travailler. Il faut avoir donc des sortes de pics plus durs encore pour excaver, retirer la matière. Et ensuite, lorsqu'on arrive dans des choses plus délicates, on peut utiliser des stylets, on peut utiliser le diamant, comme je le disais tout à l'heure, pour la gravure. Et puis, le polissage se fait avec des matériaux qui peuvent être jusqu'à des petites coupelles de plomb. On en a trouvé une à Cologne. Le grès semble être un des matériaux les plus privilégiés pour travailler le cristal de roche. On est un peu en train de dire que c'est un travail complètement fou, d'une virtuosité totale. Pline souligne que le premier geste de l'artiste, c'est le choix du matériau. Il a raison. C'est vrai pour le cristal de roche, ça l'est tout autant pour les sardonyx qui donnent ces camées extraordinaires. Mais il souligne aussi combien c'est difficile et combien ces artistes sont absolument virtuoses. Dans le champ des camées, Dioscorides est l'artiste officiel d'Auguste et parvient, on le voit très bien sur une pièce notamment du département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France, à donner une impression naturaliste dans ce matériau si dur, c'est fascinant. Oui, surtout quand on peut rappeler qu'il ne faisait pas avec un microscope binoculaire. Absolument pas. Il faisait ça à l'œil nu. Ou peut-être avec une loupe en quartz. Exactement, ouais, peut-être, effectivement. Que pouvez-vous nous dire sur le travail du cristal de roche au XXe et XXIe siècle? Pourriez-vous citer des ateliers contemporains? Alors oui, à Idar-Oberstein, en Allemagne, on travaille beaucoup le cristal de roche. C'est une tradition qui date de la Renaissance, à minima, peut-être fin du Moyen-Âge. Et vous avez des ateliers qui aujourd'hui travaillent des pierres qui viennent du monde entier, hein, pas seulement des Alpes. Oui, ils utilisent beaucoup des procédés mécaniques. Damien Hirst, qui a fait une exposition importante à Venise en 2017, avait notamment créé une méduse, une tête de méduse, qui était l'affiche de l'exposition, qu'il avait fait faire par ses ateliers d'Allemagne. Pour ce qui est du geste à l'ancienne, il existe encore des sculpteurs, des glypteurs, qui n'utilisent pas ce type de mécanique, notamment le laser, qui utilise ça va plus vite, mais ça ne donne pas du tout le même effet. Maxime Rips, qui est filmé dans notre exposition, qui était professeur à l'École nationale des beaux-arts. Il faut bien dire que c'était le dernier, il n'y avait plus assez d'élèves, donc votre question est pertinente, mais il pratique toujours son art de la sculpture. Enfin, chez les orfèvres, vous en avez cité des années 30, mais mort récemment Jean Vendôme, dont nous avons un collier dans l'exposition, qui est un quartz rutile, c'est-à-dire avec de l'oxyde de titane, qui donne un effet doré, rutilant. Eh bien, son travail est repris, entre autres, mais il faudrait citer beaucoup plus d'artistes, par son fils Thierry Vendôme, qui est en ce moment orfèvre à Paris et qui travaille beaucoup le quartz. Jean Vendôme a été un orfèvre important parce que dans les années 60, 70, 80, il a hissé le quartz au rang de pierre vraiment maintenant prisée par toutes les maisons de joaillerie. Et parce qu'il les utilise souvent de manière naturelle. Enfin, naturelle. Sans il aimait les pierres naturellement. Oui. Absolument, c'est vrai que ça, c'est particulier. Ensuite, quelles sont les récentes découvertes archéologiques liées au cristal de roche? Alors, j'ai cité tout à l'heure, on a parlé de Cologne, je n'y reviens pas, j'ai cité tout à l'heure rapidement la fouille d'Alexandrie avec cet atelier de cristal de roche attesté dans une zone datée de juste avant l'arrivée de l'islam en Égypte au 7e siècle. C'est très important pour nous, ça nous permet de comprendre aussi peut-être certaines provenances de pierre vers le monde mérovingien en Occident. On a trouvé récemment sur un site préhistorique en Ariège, mais je ne me souviens plus du nom de la grotte, des perles de cristal qui m'ont été signalées. Enfin, oui,
une découverte extraordinaire récente en Espagne. C'est conservé au musée archéologique de Séville. Ce sont des dagues du néolithique que j'aurais adoré avoir dans l'exposition, avec des poignées en os, des armes somptueuses, probablement des armes totalement régaliennes. Une série d'une beauté extraordinaire, mais Séville, c'était loin et nous n'avons pas pu aller les chercher pour des raisons de budget, nous n'avions pas de prêt dans la péninsule ibérique. Ça, c'est une découverte fantastique qui appartient à l'époque néolithique. Passionnant. A-t-on des pistes, on revient, je suis désolée, sur les crânes en cristal, hein, ça fascine. A-t-on des pistes permettant de considérer que les artisans de la ville d'Ida Roberstein en Allemagne aient pu être la source des crânes de cristal que l'on a vu apparaître à la fin du 19e siècle? Pas que je sache, mais ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure. En tout cas, le marchand de ces crânes était juste en face du musée de Cluny. C'est Stéphane qui, faisant la notice du catalogue, a poussé l'enquête sur le vendeur, celui qui l'a laissé à croire qu'il avait des crânes aztèques. Donc, bon, il n'était pas en Allemagne, mais il a pu très bien aller les faire faire. C'est une ville qui travaille la pierre dure depuis très longtemps, oui, mais pour la période contemporaine, ultra-contemporaine, c'est le foyer principal en Europe. Donc, ça pourrait être une bonne piste, mais on n'a pas autant que je sache, on n'a pas d'hypothèse particulière sur la provenance des faux. Mais nous avons beaucoup de plaisir à en montrer. Il est quand même magnétique. Et oui, dans l'ouverture du site du British Museum, il apparaît toujours aussi régulièrement. C'est comme quoi une œuvre qui devient un faux n'est pas forcément à mettre à l'encan. Ah non, complètement. Absolument. Nous vous remercions beaucoup de votre attention. Merci. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Oui. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci Marie-Laure.